C'est dur à mettre le pied. Avec le capitaine Brivadois, Jérôme Soulier. Jérôme perdait 2-0, 2-2, bon, on est à la mi-temps 2-2. Et puis deuxième mi-temps, finalement, les deux équipes auraient pu tuer le match et finalement bah, le score en est resté là. Ouais, on prend deux buts parce qu'on rentre pas spécialement dans le match pendant la première mi-temps entière. On a eu du mal, ça fait plusieurs matchs comme ça qu'on rentre pas du tout. Donc on prend des buts à force de jouer, ben voilà. On a la chance de revenir au score. Pour la deuxième mi-temps, ben, c'était un match accroché pour les deux équipes avec des occasions de partout. Sur un terrain difficile aussi. Le terrain était sec, avec des faux rebonds, mais bon, pas se plaindre. Chez nous, c'est encore pire. D'habitude, Brioude est plutôt accoutumé à mener au score et à se faire attraper. Cette fois, ben, c'est l'inverse. Ouais, ça change, ça change. Est-ce qu'on a un effectif un peu plus conséquent aujourd'hui? Je sais pas, mais la plupart du temps, on se déplace à 12. Là, on était 13. C'est peut-être ce qui a fait la différence. Bon, très bien à toi. Merci, Jérôme. Merci. Avec Victor Laurent, joueur brivadois. Bon, Laurent, j'expliquais avec ton capitaine, là, vous perdiez 2-0. Mmh. Vous revenez à 2-2 à la mi-temps. Et puis, sur la seconde période, les deux équipes ont eu l'opportunité de l'emporter. Ouais, oui, c'était compliqué. On est mal rentré dans le match. Au début, on a encaissé deux buts sur pénalty d'ailleurs, sur coup de pied arrêté. On a réussi à revenir, on a eu la capacité à revenir. Ça reste. Bon, c'est pas un mauvais résultat qu'on est venu chercher ici, mais bon, on espérait mieux, on espérait venir gagner ici, prendre 4 points qui nous auraient relancé un peu mieux dans ce championnat. Bon, à titre personnel, tu étais de retour de blessure, hein, tu es plutôt habitué à jouer en équipe 1, comment tu t'es senti? Je me suis senti bien, ça va. Bon, ça reste encore un peu compliqué, ma cheville est tenue, mais bon, dans l'ensemble, c'est encore un peu limite physiquement. Très bien, merci à toi Victor. Avec Pierre Pacheco, joueur d'Arsac. Pierre, vous meniez 2-0 sur deux pénalties. Vous faites égaliser avant la mi-temps. Et deuxième mi-temps, vous avez l'occasion de tuer le match avec deux grosses occasions. Finalement, deux partout. Au final, on est un peu déçu parce qu'on a des grosses occasions. Quand même, on peut tuer le match à 2-1. On peut mettre 3-1. Au final, ils reviennent à cause d'erreurs défensives. Donc, des regrets, mais bon, c'est un bon match parce que Brioude a été solide quand même. Ils ont fait un bon match. Après, c'est dommage que ça finisse. Comme ça, mais bon, bon match des deux équipes. Terrain compliqué aussi, hein, c'était pas facile de jouer. Ouais, terrain très compliqué. Après, bon voilà, on a joué sur des terrains compliqués, donc bon, après, c'est pas non plus de la faute du terrain. Mais bon, c'était un bon match. On t'a senti bien en jambes, hein, côté gauche, t'as pas mal fait d'appels, t'as pas mal débordé. En plus, je crois que t'es de Brioude un peu aussi, toi. Je suis de Brioude à la base, donc j'ai joué avec les copains. Donc c'était sympa, et puis à la fin, j'étais quand même bien cramé, j'avais des crampes, donc. Bon, malgré le nul, vous occupez maintenant la deuxième place quand même. On est égalité avec Orec. Ouais, vous êtes au goal average, vous êtes devant. On est devant, bah, tant mieux. Après, on voulait faire 4 sur 4, on voulait terminer avec une quatrième victoire, comme le coach l'avait dit. C'est dommage, il y a des regrets, mais bon, si on est deuxième, bah, c'est parfait. C'est très bien. Merci à toi, Pierre. Merci à vous. Capitaine Arsacois, Pierre Pervet. Pierre, petite déception, hein, parce que vous meniez 2-0 assez rapidement sur deux pénalties, vous faites égaliser 2-2 à la mi-temps et sur la deuxième mi-temps les deux équipes ont eu la balle de match, on va dire, hein, pour gagner ce match, et finalement 2-2, mais ça vous permet malgré tout d'être deuxième derrière Saint-Just-Saint-Dizier. Ouais, c'est clair, des fois il faut peut-être accepter un match nul. C'est vrai qu'on aurait pu le gagner au vu de la deuxième mi-temps, on a pas mal d'occasions. Moi j'en feuille une, Thibaut aussi. Bon, après c'est comme ça, hein. On fait match nul contre Brioude, c'est quand même une belle équipe, voilà, c'est pas mal. Quel est l'objectif sur la fin de saison, puisque là vous êtes maintenant deuxième, tous les matchs sont quasiment à jour, il reste juste un seul match entre Chadrac et Saint-Germain. C'est quoi l'objectif concrètement? C'est de prendre du plaisir, hein. On n'a pas changé depuis le début de la saison, c'est voilà, essayer de gagner des matchs, de jouer au foot. Après on verra ce qui se passe, on joue pas spécialement la montée. On va essayer de terminer au moins dans les 5 premiers. Parce que bon, ça faisait quelques temps que vous étiez en PHR, vous êtes descendu cette année. Finalement, remonter en PHR avec la refonte des poules du championnat, ça peut être intéressant, non? C'est vrai, ouais. Mais après, on est resté 5 ans en PH, on a quasiment joué le maintien à chaque fois. C'est quand même usant psychologiquement. Là, on arrive quand même à gagner des matchs, on se fait un peu plus plaisir. Après, il faut voir, on verra ce qui se passera. Très bien, merci Pierre. Merci.